Bonjour à vous tous. Bienvenue à notre prédication du dimanche matin au Bon Berger, en cette belle journée du Seigneur, alors que nous voulons nous tourner vers lui et entendre sa voix. Je ne sais pas pour vous, mais juste le fait de préparer encore une fois un message, une prédication, puis regarder, considérer l'enseignement biblique, ça a été une grande bénédiction pour moi. Mais j'espère qu'on vient ensemble pour entendre sa voix. Ce Dieu qui se révèle et qui apaise nos peurs. Ce Dieu qui console et qui fortifie nos cœurs. Cherchons un beau passage du livre des Psaumes qui rappelle cette réalité tellement importante que Dieu ne demeure pas silencieux. Au contraire, parce qu'il est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu de la révélation. Ce Dieu qui se fait connaître à l'être humain, ce Dieu qui lui permet de comprendre et de saisir sa volonté, ce Créateur qui lui montre la voie qu'il doit choisir, comme nous le dit le psaume 25 au verset 12. Donc ce matin, cherchons ensemble le livre des psaumes au chapitre 19. Le livre des psaumes au chapitre 19. Psaume chapitre 19. Dans son commentaire biblique sur ce chapitre des psaumes, le commentateur biblique Matthew Henry observe qu'il y a deux livres excellents que le grand Dieu a publiés pour l'instruction et l'édification des enfants des hommes. Ce psaume les présente tous deux. Donc, dans le psaume 19, on va voir deux livres de la révélation de Dieu. Donc, ce psaume les présente tous deux et les recommande tous deux à notre étude assidue. Premièrement, il dit « le livre des créatures » dans lequel nous pouvons facilement lire la puissance et la divinité du Créateur. C'est-à-dire ce qu'on appelle la révélation générale qu'on voit dans la création de Dieu. Il continue en disant « et ensuite, le livre des Écritures » qui nous fait connaître la volonté de Dieu,
concernant notre devoir. Ce psaume montre l'excellence et l'utilité de ce livre, puis il nous révèle, puisqu'il nous enseigne comment le mettre en pratique. Donc, la révélation spéciale, la révélation générale de la création et la révélation spéciale qui vient de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce psaume 19 et qu'on puisse considérer ces deux révélations ou ces deux livres que Dieu a mis à la disposition de la race humaine. Regardons le psaume 19 à partir du verset 1. On le dit au chef des chantres, psaume de David. Les cieux, puis l'on présente cette révélation générale de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, cette révélation générale de Dieu dans la création, dans l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Là, remarquez comment est-ce qu'il pense à la deuxième révélation, la révélation spéciale de la parole de Dieu. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur, puis là on voit l'application. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore, alors que le psalmiste se tourne vers son Dieu, le Dieu de la révélation, qu'il l'a sensibilisé envers ses voies. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Le psaume 19. Examinons ce matin ces deux grandes révélations du Dieu qui parle aux hommes. Est-ce que vous êtes reconnaissant que Dieu un jour s'est adressé à votre cœur? Si c'est le cas, qu'il s'est fait connaître dans votre vie. Est-ce que vous appréciez cette douce voix-là qui est venue changer votre marche ici-bas sur cette terre? Et si c'est le cas en tant que croyant, on devrait tous dire « Merci Seigneur que tu es le Dieu de la révélation. » Et « Merci Seigneur que tu m'as ouvert les yeux, que tu es venu travailler dans mon cœur pour me permettre de connaître tes voies. » Donc, considérons ce beau passage ce matin avec ce premier livre de la révélation divine, c'est-à-dire le livre de la création. Le livre de la création. La révélation de Dieu à travers le monde qu'il a fait. La manifestation de son être, de sa personne, par le cosmos qui nous entoure, par les animaux qui rôdent la terre, par le petit bébé que nous tenons précieusement dans nos bras. Toute la création, les Écritures nous disent, exalte la personne de son Dieu. Et c'est un cri de joie de la création que notre cœur peut comprendre. Si nous avons compris, si nous avons ouvert nos yeux, si nous avons saisi ce message, et ici dans ce beau passage, ce qui ressort, c'est ce grand témoignage de ce premier livre-là envers l'être humain. Regardez au verset 1.
pour voir ce livre de la création. Au verset 1, on nous dit « Au chef des chants, donc David voulait que les gens puissent chanter ces réalités-là. Psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu. » Hier, je suis sorti pour aller faire bouger mes chiens un petit peu. Puis déjà, là, on voyait la lune, on voyait déjà les étoiles. Puis tout de suite, ça m'est venu à l'esprit. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. J'étais à côté d'un arbre, puis je regardais les détails de l'arbre. Je disais, Seigneur, toutes ces choses-là, c'est toi qui les as faites. C'est toi qui rends témoignage à ta grandeur et à la beauté de ton œuvre. On continue au verset 3, on nous dit, le jour en instruit un autre jour. C'est une révélation quotidienne de la personne de Dieu. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. C'est une révélation qui est connue par la race humaine. Le retentissement parcourt toute la terre. C'est une manifestation universelle à la personne de Dieu. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Nécessairement, on a l'imagerie ici du livre des psaumes. Un livre qui est très poétique, un livre qui est, il y a beaucoup de symbolisme. On nous parle de Dieu qui a dressé cette tente-là pour le soleil, alors que le psalmiste considérait l'œuvre du soleil dans sa propre vie. Verset 6, « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, à l'Orient, c'est ça, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Wow, quel grand Dieu nous servons! Quel grand Créateur nous adorons! Quel Maître sublime nous suivons, qui rend témoignage à sa personne, à sa grandeur, à sa puissance tous les jours de notre vie si on a les yeux ouverts. Vous savez, c'est une des choses qui est vraiment impressionnante lorsqu'on lit des écrits de scientifiques, de biologistes, toutes sortes de personnes qui travaillent dans la nature. Et des fois, on va les voir qui sont vraiment éblouis par l'œuvre de Dieu, qui vont reconnaître la personne de Dieu. Puis d'autres fois, ils vont juste regarder la création puis attribuer ça à la chance, au hasard. Puis on voit qu'il y a des gens qui ont le cœur ouvert, qui entendent ce message-là, qui sont capables de lire ce grand livre-là de Dieu, puis que Dieu peut les disposer envers sa personne à cause de son œuvre, puis d'autres personnes qui ont les yeux totalement fermés. Dans le psaume 8, David, qui avait été régulièrement en contact direct avec la création, surtout en tant que berger, mais même plus tard dans son expérience, s'est exclamé dans le psaume 8, il a dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Puis là, il regardait l'œuvre de Dieu. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme en face de ce grand livre-là de la révélation de Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, ébloui par la création. Ça a eu un effet de l'amener à s'humilier. Il a compris sa petitesse. Puis il dit, en face de toutes ces choses-là, et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce grand livre-là de la révélation de la création avait touché le cœur de ce jeune berger, l'avait porté à se tourner vers le Créateur, le concepteur de toute cette œuvre extraordinaire, pour qu'il cherche ses voies, pour qu'il se tourne vers cette gloire-là quotidiennement et qu'il se rappelle de la grandeur de son Dieu.
Il est en mesure d'apprendre des leçons du livre de l'univers et ensuite de se rapprocher de celui qui était à l'origine de toutes choses, toutes ces choses merveilleuses qu'il contemplait dans le monde. Celui qui a dit et la chose est arrivée. Celui qui a ordonné et elle a existé. Le psaume 33 au verset 9 nous dit. Le grand Créateur qui parle à l'homme par les œuvres de ses mains, qui se révèle ainsi à toute personne ouverte d'esprit et de cœur envers sa création. Oh, régulièrement, j'exhorte les croyants à aller prendre une marche dans la nature et à juste regarder les détails et la minutie que Dieu a mis dans l'œuvre qu'il a créée, juste pour que ça puisse nous réchauffer envers le genre de Dieu qu'on est en train de servir, que ça puisse nous encourager à nous approcher de lui quotidiennement. Et il nous a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça nous permet d'intensifier, de maximiser notre relation avec Dieu alors qu'on considère ce grand témoignage qui nous entoure dans le monde qu'il a créé. Walter Elwell, dans son commentaire évangélique sur toute la Bible, dit de ce passage du psaume 19, il dit « Le témoignage impressionnant du ciel et du soleil sur la gloire de leur Créateur est universel et profond. Le poète ou le psalmiste fait l'éloge de l'étonnante étendue des cieux, qui ne possède aucun appui, et du glorieux soleil méditerranéen, émergeant comme un époux dans sa splendeur de la tente nuptiale. Il se précipite avec empressement dans sa course descendant l'ouest comme un champion de course à pied. » Il a dit, David a été capable d'apprendre de ce livre, a été capable d'être émerveillé, a été capable de se tourner vers le Créateur pour pouvoir avoir une plus grande relation avec lui. Brent Earls le présente poétiquement ainsi, en parlant du psaume 19. Les étoiles sont les empreintes digitales de Dieu. Le soleil n'est qu'une infime partie de son rayonnement. La lune est là pour nous rappeler qu'il ne dort pas la nuit, notre Créateur. L'immensité de l'espace proclame l'infinité de sa sagesse, tandis que le galet de sable indique sa minutie dans les moindres détails. Le lion fait allusion à son intrépidité, l'ours à sa puissance, le faucon à sa perspicacité. Et pourtant, il ne possède qu'une parcelle de l'omni-il, ou ces choses de la création, ne possède qu'une parcelle de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu. Chaque arbre pointe vers le ciel. Chaque oiseau a une chanson à chanter. Même chaque manifestation du vent va dans une certaine direction. Il n'y a rien de chaotique dans notre beau monde conçu par le grand concepteur. Toute la création a un message à transmettre. Elle dit « Écoutez, écoutez, il y a un Dieu, il y a un Dieu. » Considérez avec moi ce matin comment le Nouveau Testament confirme le message du grand livre de la création de Dieu. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 1er, l'épître Romains au chapitre 1er, à partir du verset 18. C'est pas juste le livre des psaumes, c'est pas juste l'expérience du psalmiste. Même le grand apôtre Paul a été poussé par l'Esprit de Dieu pour parler de ce grand livre de la révélation générale de Dieu. Et combien de personnes ont entendu la voix de Dieu en considérant le monde naturel, en considérant la création autour d'eux. Ça les a disposés. Je me souviens du témoignage d'un frère qui a dit, j'ai demandé à Dieu, « Dieu, si c'est toi qui es derrière tout ça, permets-moi de connaître tes voix, permets-moi de me tourner vers toi, puis d'expérimenter une relation avec toi. » Puis Dieu s'est manifesté dans sa vie. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre cœur? Est-ce qu'on est prêt à nous disposer envers ce grand témoignage-là? Est-ce qu'on est prêt à apprendre du livre de la création de Dieu? Dans Romains chapitre 1, on nous dit au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel, ce Dieu créateur, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux en parlant de l'humanité, les hommes. Le livre de la création est disponible pour l'être humain. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu pour celui qui a les yeux ouverts, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, donc ils sont inexcusables envers ce grand livre de la création, cette révélation générale. Mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et ils ont fermé leur cœur, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Le livre de la révélation de Dieu dans le cosmos. Vous savez, une autre chose qui est vraiment belle à voir, c'est les témoignages de missionnaires qui sont allés dans différents pays à travers le monde, sont arrivés dans des régions qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, qui n'avaient jamais entendu parler de peut-être de la société moderne ou tout l'être blanc, même l'être lorsqu'il rencontrait un missionnaire, c'était la première fois qu'il rencontrait une personne comme cela, mais qui avait comme témoignage qu'à travers la création qui les entourait, ils avaient cherché la personne de Dieu. Ils avaient même demandé à Dieu de leur envoyer un témoin concernant sa volonté. Parce que la création est là pour nous pousser vers Dieu, puis nous encourager à nous tourner vers Dieu. Puis l'Esprit de Dieu utilise ce témoignage de la création, de ce grand livre de la révélation, pour nous porter vers la personne de Dieu. Mais la question pour nous ce matin, c'est, sommes-nous à l'écoute de ce livre? Est-ce qu'on apprend la grande leçon de cette révélation générale concernant Dieu? Et est-ce qu'on est prêt à aller plus loin, comme beaucoup l'ont fait, pour passer au deuxième tome de son œuvre de révélation, c'est-à-dire celui du livre de la révélation de la Bible, le livre de la révélation des Écritures, qui est décrit dans ce beau passage, qui est si important pour ceux qui disent avoir une relation avec le grand Créateur de toutes choses, et que le croyant doit chérir tous les jours de sa vie pour expérimenter l'enseignement du grand livre de la révélation de Dieu. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir librement accès à ce deuxième tome de la révélation spéciale du plan de Dieu pour nous. La question, c'est est-ce qu'on saisit l'occasion, est-ce qu'on en profite pour pouvoir connaître Dieu et marcher dans ses voies? Walter Elwell, encore une fois, nous affirme dans son commentaire sur ce passage que pour le poète ou le psalmiste, la loi de son Dieu, tout aussi impressionnante, était la volonté révélée de Dieu, connue sous forme de loi écrite, d'instruction, de précepte, de commandement, de crainte intérieure et de décret extérieur. Sous quelque forme que ce soit, elle est une source de vie, une source de sagesse, une source de joie, d'illumination, de pureté et de droiture. Elle est précieuse, douce et gratifiante pour celui qui est prêt à se tourner et à écouter son message. J'aimerais qu'on puisse regarder ce second livre de la révélation de Dieu à partir du verset 8. Toujours dans le psaume 19 au verset 8. Après avoir entendu le message du livre de la création, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite. » Ça, c'est le deuxième tome. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » J'aime tellement ça, cette idée-là de restaurer. Des fois, les gens vont prendre des vieilles voitures classiques, des fois des muscle cars ou des vieux bazous. Puis là, ils vont tous prendre des mois, peut-être même des années pour restaurer le véhicule. C'est vraiment l'image qu'on a ici concernant notre âme. Le mot « restaurer », le verbe parle de rétablir, de restaurer ou de ramener une chose à un état antérieur.
à un état meilleur qu'il avait dans le passé. Ici, on nous parle de l'œuvre de ce grand livre de la révélation de Dieu qui vient nous restaurer dans notre âme, qui vient nous restaurer dans notre conscience, qui vient nous restaurer dans notre relation avec Dieu. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé à Apocalypse chapitre 2, au verset 4, quand Jésus a parlé à l'église d'Éphèse. Il dit, je sais que vous êtes fidèles, je sais que vous êtes travailleurs, je sais que vous êtes constants dans vos voies, que vous avez même purifié votre assemblée de faux apôtres, tout ça. Il dit, bravo, vous suivez mes instructions, mais j'ai une chose contre vous. C'est que vous avez abandonné votre premier amour. L'amour du nouveau croyant. L'amour de celui qui vient de goûter au salut en Jésus-Christ. L'amour de celui qui vient de recevoir la paix avec Dieu, puis la joie de son salut. Cet amour-là qui nous donne une passion puis un zèle pour Dieu. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi de ton état intérieur. Souviens-toi de tes premières œuvres. Repens-toi, puis reviens à ce premier amour-là. Et moi, je crois que la parole, la révélation spéciale de Dieu, veut nous restaurer dans notre relation avec Dieu. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances, les préceptes de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Elles produisent un contentement, un bonheur intérieur pour ceux qui suivent les instructions de Dieu. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Comme c'est précieux pour nous. La crainte de l'Éternel est pure. Ce respect-là, cette vénération pour Dieu, cette piété envers notre créature, notre créateur plutôt. Notre créateur est pur, elle subsiste à toujours comme fruit de l'exposition au livre de la révélation de Dieu. Les jugements de l'Éternel sont vrais lorsqu'on comprend ses voies. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. On voit la priorité, l'importance lorsqu'on a goûté à la bonté de Dieu. Que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande, c'est tellement précieux. On va aller voir dans les effets un peu plus loin comment est-ce qu'il a expérimenté cela. La révélation de la parole de Dieu, le livre spécial des Écritures du Seigneur, le message si fortifiant et si transformateur de la Bible pour tous ceux qui ont le cœur ouvert et qui désirent bénéficier de son œuvre dans leur cœur. Encore une fois, je vois tellement de personnes qui sont éblouies par la création et qui vont parler là, du cosmos, puis ils vont parler de leur expérience alors qu'ils s'approchent de la nature, alors qu'ils sont plus sensibles envers le monde naturel, mais bien souvent qu'ils sont totalement fermés à aller à la prochaine étape, à se tourner vers la volonté de ce Créateur-là, à chercher sa face, puis à lire ce livre qui nous permet de comprendre ses voies. Puis comme c'est dommage, j'étais comme ça aussi, lorsque j'étais dans le Nouvel Ange, j'étais vraiment ébloui par toutes les belles choses autour, les couleurs et la beauté de la création, mais je voulais rien savoir du Créateur. Ça ne m'intéressait pas de passer à la prochaine étape. J'aimerais vous dire, quand j'étais dans le Nouvel Ange, puis dans les sciences ésotériques, puis ensuite dans l'occultisme, puis je m'en allais vers le satanisme, ça commençait à m'intéresser, puis ainsi de suite. Quand j'étais dans ces choses-là, j'étais une personne qui n'était pas du tout satisfaite, qui n'était pas heureuse parce que j'ai pas suivi le message de la création pour me tourner vers la révélation de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, on nous dit concernant le livre merveilleux qui est disponible pour l'enfant de Dieu, on nous dit « car la parole de Dieu est vivante et efficace ». Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et c'est dur de travailler puis de changer le cœur de quelqu'un, de pouvoir l'aider avec ce qui se passe dans son homme intérieur. En fait, c'est impossible pour l'être humain. On peut exhorter, puis on peut encourager, puis on peut pleurer avec ceux qui pleurent, puis se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais c'est très limité ce qu'on peut faire. Mais la parole de Dieu, elle a accès dans les profondeurs de notre être. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle, elle juge ou elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce qu'on va en profiter en 2022? Est-ce qu'on va passer plus de temps dans les Écritures dans cette nouvelle année? Le Dieu de la Bible va-t-il pouvoir nous changer, nous fortifier, nous consoler, nous éclairer par son livre de la révélation biblique? Il y a quelque temps, je lisais le témoignage d'un jeune homme qui avait connu le salut dans son adolescence. Il n'avait pas été élevé du tout chrétiennement, mais grâce à des amis à l'école, tout ça, il avait entendu l'Évangile, il avait été invité dans des activités évangéliques, dans un camp chrétien. Finalement, il avait connu le Seigneur dans son adolescence par la grâce de Dieu et il avait commencé à assister dans une église évangélique pendant quelques années. Mais il a expliqué qu'avec un changement au niveau de son travail, il est déménagé dans une nouvelle région, puis il a trouvé rapidement une nouvelle église chrétienne dans cette région-là. Mais contrairement à la première église, l'accent dans cette assemblée chrétienne était placé sur l'enseignement, sur la prédication, sur les exhortations mutuelles en tant que chrétien, à étudier la Bible sérieusement, avec l'objectif de laisser ce livre merveilleux changer la vie des chrétiens alors qu'ils la mettaient de plus en plus en pratique. Juste en passant, c'est ça le but du livre de la révélation de Dieu. Jacques nous dit dans Jacques 1, 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Là, Jacques continue dans ce passage-là en présentant un miroir. Il dit « Vous savez, ça sert à quoi un miroir? » L'utilisation de miroir, c'est pour nous permettre de nous regarder personnellement et voir physiquement si on a quelques défauts, quelques ajustements, quelques embellissements à faire. Et nécessairement, on en a tous quand on se lève le matin, c'est pas trop beau à voir. Mais on utilise un miroir pour pouvoir régler certaines choses. Puis là, il dit spirituellement, on a aussi un miroir. Ce miroir-là, c'est le livre de la révélation spéciale de Dieu, spécifique de notre Dieu, qui nous permet de nous voir. Puis quand on voit les choses qu'on doit embellir, puis les choses qu'on doit rectifier, puis les choses qu'on doit améliorer, il dit « Faites-le donc, faites-le donc pour la gloire de Dieu. » Puis ce jeune homme-là a dit, en allant dans cette église-là, qui mettait cet accent-là sur la croissance spirituelle, sur la sanctification, la transformation, le perfectionnement de notre être grâce à la pratique de la parole de Dieu. Il a dit, plus j'ai compris cela, plus ma vie chrétienne a changé. Puis il a dit, j'ai grandi de plus en plus dans les voies de mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais prêt à apprendre la leçon de ce livre inspiré de Dieu qui me permettait de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Cherchez avec moi la première épître de Pierre au chapitre 4. La première épître de Pierre au chapitre 4. Puis dans ce passage-là qu'on va voir, au chapitre 5, pardon, 1 Pierre chapitre 5, dans ce passage-là qu'on va voir, c'est un passage qui est très, très encourageant, qui nous présente l'œuvre finale de Dieu qu'il veut accomplir dans notre vie. Puis comment est-ce qu'il veut nous transformer de plus en plus jusqu'à ce qu'on devienne des chrétiens vraiment inébranlables, des chrétiens solides dans ses voies, capables de tout supporter, même les traits enflammés du malin. Là, il présente ça, puis souvent on va citer ce passage-là, mais j'aimerais juste vous faire remarquer une réalité derrière cette promesse-là. 1 Pierre, chapitre 5, désolé, au verset 10. Il a dit, « Le Dieu de toute grâce, quelle belle promesse, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, ici-bas sur la terre, après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. » C'est l'œuvre qu'il a commencé en nous. « Vous affermira, vous fortifiera, vous donnera une force dans sa grâce pour accomplir sa volonté, vous rendra inébranlable. » Ce mot-là, ça veut dire solidement fondé, établi sur un roc solide, immuable, inébranlable. Et Dieu, alors qu'il fait cette œuvre-là dans notre vie, veut nous rendre capables de tout supporter, ce que lui va choisir pour notre existence. Puis moi, en tant que pasteur, je suis
profondément convaincu que la seule manière que Dieu va pouvoir faire ça, c'est si on est prêt à passer du temps à lire, puis à étudier et surtout à mettre en pratique la parole de Dieu. À comprendre ce que Dieu veut pour nous et à être prêt à coopérer avec ces changements-là qu'il veut accomplir dans notre vie. Et là, le Seigneur va pouvoir nous rendre de plus en plus inébranlants. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit exactement cela. Au verset 24 à 27, il a dit que celui qui allait entendre sa parole, la révélation spéciale qui a été mise dans le Nouveau Testament et qui allait la mettre en pratique, ça allait être une personne, puis là, il image ça, qui allait construire une maison, non pas sur le sable, mais qui allait creuser profondément et qui allait construire une maison sur le roc pour avoir un fondement solide, un fondement sécuritaire, inébranlable. Puis là, c'est là qu'on revient à notre promesse d'1 Pierre 5 au verset 10. Dieu veut le faire, mais il faut coopérer. Jésus continue, mais celui qui entend ces choses-là, ces instructions-là du livre de l'inspiration de Dieu et qui ne les met pas en pratique, sera semblable à quelqu'un qui va construire sur le sable. On entend les instructions de la parole de Dieu, on entend ce que le Seigneur veut de nous et on refuse de changer. On est intransigeant. Moi, je suis comme ça, j'ai été fait comme ça, puis je vais demeurer comme ça. Puis on ne laisse pas le Seigneur attendrir nos cœurs et nous permettre de faire des pas par la foi pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. On a un fondement qui est incertain, un fondement qui est faillible et un fondement qui est temporaire à cause qu'on ne suit pas les instructions de la parole de Dieu. Oh, ce grand livre de la révélation de Dieu, de la création de Dieu, qui nous pousse à nous tourner vers lui. Puis ensuite, cette révélation spéciale de la volonté de Dieu qui nous montre qu'on a besoin d'être prêt à changer pour accomplir sa volonté, pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu sur notre vie, sa bonne main qui nous accompagne partout où on est en train de marcher ici-bas sur la terre. Mais comme application, j'aimerais juste qu'on revienne au psaume 19, puis qu'on considère ensemble comment le psalmiste a laissé la loi de son Dieu changer sa vie. Le message de la création l'a touché, le message de la parole de Dieu est venu interpeller sa vie. Puis là, il a dit, « Oui, oui, Seigneur, j'apprends de toi. Seigneur, je comprends tes voies. » Puis regardez au verset 13. Il dit, « Qui connaît ses égarements? » On a un cœur qui est tortueux, un cœur qui s'égare. « Qui connaît ses égarements? » Puis bien, peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles on fait le contraire de la volonté de Dieu, puis on s'est détourné du plan de Dieu. On ne l'a pas encore compris dans le livre de la révélation spéciale de Dieu. Il dit juste encore dans sa sensibilité, avec une autocritique personnelle, il dit « Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Combien de fois je dis ça au Seigneur? « Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui que j'ai fait qui t'a déplu. Je n'étais pas conscient. Peut-être dans mes paroles. » Peut-être dans mes attitudes, peut-être dans la manière que j'ai traité les autres. Seigneur, j'aimerais ça que tu me pardonnes. Je m'approche de toi pour que tu viennes laver mes pieds, mais me permettre d'être entièrement net et d'avoir peur à ton œuvre. Verset 14, il dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Là, je réalise, c'est pas tout le monde qui te suit. C'est pas tout le monde qui marche dans tes voies. Qu'il ne domine point sur moi. J'ai un désir de pureté. J'ai un désir d'avoir des bonnes influences dans ma vie. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur, je me tourne vers toi avec la lumière de ta parole. Je me tourne vers toi pour avoir ta bénédiction. Je me tourne vers toi pour approfondir ma relation et accomplir de plus en plus ta volonté pour pouvoir te suivre et t'être agréable. Ô, le livre de la création qui pointe vers la gloire du Créateur. Est-ce qu'on a les yeux ouverts? Est-ce qu'on est sensible à regarder une pétale d'une fleur, n'est-ce pas? Puis juste regarder ça et dire, « Wow, Seigneur, les plus grands scientifiques ont été mis au défi de créer une tulipe avec tous les grands laboratoires, tout ça, puis d'essayer de créer ça, ils n'ont pas été en mesure de le faire.
Mais toi, Seigneur, tu nous présentes ça comme une des œuvres merveilleuses qui révèle la beauté de ton être et ta bonté envers l'être humain. Le livre de la révélation spéciale des Écritures qui nous instruit plus spécifiquement concernant la volonté de notre Dieu. Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce que quotidiennement, on vient se nourrir personnellement? On vient permettre à Dieu de nous montrer une autre facette des changements qu'il veut accomplir dans notre vie. Oh Seigneur, j'ai des couettes ici, Seigneur, il faut que je me rase un peu plus ici. Seigneur, il faut que je change. Est-ce qu'on est prêt à aller devant ce miroir-là à chaque jour? Puis le faire vraiment pour la gloire de Dieu. Et dernièrement, les changements existentiels ou les changements pratiques que le Seigneur nous montre par les Écritures. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Enseigne-moi par ta parole, montre-le-moi, Seigneur, et donne-moi surtout la grâce, la force pour pouvoir accomplir ta volonté. Oh, ma prière en tant que pasteur, c'est qu'en 2022, qu'on puisse tous profiter encore plus de la révélation de Dieu. Qu'on puisse ouvrir nos yeux, puis contempler, puis exalter la personne de Dieu et se soumettre, faire courber notre personne à sa volonté pour accomplir son plan. J'espère que cette prédication, que ce beau psaume vous a encouragé à pouvoir aller et accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous dit de progrès en progrès. Je vous souhaite une belle journée.